Franchement, je trouve de nature, n'est-ce pas? Je croyais que tu avais dit que nous allions voir des amis, n'est-ce pas? Je n'ai pas du tout envie de passer ma journée avec trois petits loups qui n'arrêtent pas de hurler, n'est-ce pas? Alors, Sopa Lunette, tu trouves pas qu'ils sont amusants, hein? Allons, allons, sont maladroits, c'est seulement parce qu'ils sont jeunes, n'est-ce pas? Attends qu'ils aient grandi et qu'ils deviennent des monstres assoiffés de sang, n'est-ce pas? Et puis... Oh, je trouve Fanunette, la maman loup, est grande et pourtant elle est toujours gentille. Et elle veut sûrement savoir quel goût je peux avoir. Partons d'ici avant que cette odeur pestilentielle me gâche mon appétit, n'est-ce pas? Et puis d'ailleurs, je suis censé dîner avec la schtroumpfette ce soir, n'est-ce pas? Et moi, il faut que j'aide la maman loup avec ses petits. Depuis que son compagnon a disparu, elle est toute seule pour les élever. Regarde, Sopa Lunette, on jette un bateau et il court pour nous le rapporter. Allez hop, va chercher. Tout va bien, Sopa Lunette? Bien sûr que non, à cause de ces petits loups tout fous, je suis blessé maintenant et j'ai mal à... Allons, Sopa Lunette, c'est seulement une petite égratignure. Une petite mais grave, n'est-ce pas? Cela peut signifier la fin de ma brillante carrière d'auteur, n'est-ce pas? C'est pas si grave que ça, Sopa Lunette, et puis t'as déjà écrit suffisamment de livres pour de brillantes carrières. Viens, Sopa Maladroit, j'ai peut-être besoin de toi pour retourner au village, n'est-ce pas? Dans mon triste état, je suppose que le voyage va être long et pénible, n'est-ce pas? Surtout si tu n'arrêtes pas de te plaindre. Au revoir. Allez, viens, Talbot. Quelquefois, les spectateurs d'un cirque rappellent étrangement le zoo. Il faut que je trouve quelque chose pour remplacer mon ours qui danse. Sinon, je vais vite me retrouver au chômage. Je vous assure, sur le fait, je devrais être chez moi et au lit, n'est-ce pas? Oh, Schtroumpf Lunette, c'est seulement une minuscule égratignure. Va chanter avec le Schtroumpf musicien, je suis sûre que tu oublieras très vite. Vous avez raison, je serai sans doute trop occupé à me boucher les oreilles, n'est-ce pas? Attention, les Schtroumpfs, il est temps de répéter pour ma nouvelle sonate au clair de lune et 1 et 2 et 3. Capable d'atteindre les plus hautes notes. Je dois avoir un schtroumpf dans la gorge, n'est-ce pas? T'es sûr que c'est pas un loup que tu as dans la gorge? Ça alors, c'est incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai eu le barbe comme le grand schtroumpf, n'est-ce pas? Ce soir, la schtroumpfette pourra dîner avec un schtroumpf d'une très très grande élégance, n'est-ce pas? Je me vois déjà marchant à ses côtés sous la lune. Sous la lune. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la lune. Mais qu'est-ce qui m'a... La. Ah, oh, ça c'est certainement le Schtroumpf à lunettes. Oh, mon merveilleux jardin, il est complètement saccagé. Schtroumpf à lunettes, regarde ce que tu as fait à mon jardin. Petit monstre. Oh, un Schtroumpf garou. Schtroumpf apeuré était pris au piège dans la pièce. Et c'est alors que le grand monstre Schtroumpfu s'approcha très lentement. Ah ben, Schtroumpf, alors, j'avais jamais entendu d'histoire qui paraisse aussi vraie. Ah, finalement, je raconte mieux les histoires que je ne le croyais. Grand Schtroumpf, grand Schtroumpf, il y a un Schtroumpf garou au village et il ressemble à Schtroumpf à lunettes. Qu'est-ce qu'on va faire, grand Schtroumpf? Venez avec moi, les Schtroumpfs. Le Schtroumpf à lunettes doit être en danger. Ne fais pas quelque chose que tu pourras regretter plus tard, hein? Et que moi, je risque de regretter encore plus. Schtroumpf à lunettes, attends. Nous sommes venus pour t'aider. Schtroumpf à lunettes, reviens! Schtroumpf, alors il est encore plus inquiétant que je ne le croyais. On ne sait jamais où il est et quand il va frapper. Schtroumpf,
qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle attraction pour mon cirque. Lâche-moi. Bienvenue dans le monde du spectacle, mon ami sac à puce. Tu viens de mettre le pied à l'étrier. Même un schtroumpf dont le cœur est doux peut devenir un schtroumpf-garou lorsque la nuit la lune est pleine et que fleurit la gueule de loup. Dites donc, un schtroumpf, ce poème est aussi inquiétant que le schtroumpf à lunettes. Vous voulez dire que cette petite égratignure a transformé le schtroumpf à lunettes en schtroumpf-garou? Eh oui, et si avant demain à minuit on ne lui passe pas au cou un collier d'ail et de racines d'argent, le schtroumpf à lunettes redeviendra un schtroumpf-garou à chaque pleine lune. Oh, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé, n'est-ce pas? Je viens de passer la plus mauvaise nuit de ma vie, n'est-ce pas? Je viens de passer la plus belle nuit de ma vie. Et tout ça parce que je t'ai trouvé! Malakoff! Je crois qu'il vaut mieux que je rentre chez moi maintenant, n'est-ce pas? Mais c'est ici, chez toi. Dorénavant, tu seras la vedette de mon cirque ambulant. Silence! Apprendons à connaître ton nouveau compagnon, parce que tu vas passer le reste de ta vie avec lui. Ouais. Vous perdez votre temps, Malakoff. Rien au monde ne pourra m'obliger à me donner en spectacle pour vous, n'est-ce pas? Ah oui, vraiment. Et si ce quelque chose venait du ciel? Hein? Oh non. Tu vas danser pour moi ce soir, à moins que tu préfères goûter de mon fouet. Heureusement, nous avons réussi à trouver quelques racines d'argent. Et comment allons-nous faire pour trouver le schtroumpf à lunettes, gros schtroumpf? La maman loup peut nous aider, schtroumpfette. Il suffit que quelqu'un garde ses petits. Vous croyez que le schtroumpf à lunettes est allé au cirque? Crénom d'un schtroumpf, la maman loup a trouvé quelque chose. Oh, c'est terrible! La maman loup nous a conduits auprès d'un autre loup. Attention, ce n'est pas n'importe quel loup, c'était son compagnon qui l'avait quitté. Merci, maman loup. Mais comment allons-nous faire pour trouver le schtroumpf à lunettes maintenant? Nom d'un schtroumpf, mais c'est le schtroumpf à lunettes. Schtroumpf alors, on va lui mettre sa couronne autour du cou sans qu'on ait de gros amis, voilà. Attention, il nous suit. Comment vous trouvez ma ceinture en peau de serpent? Malakoff! Rendez-nous tout de suite le schtroumpf à lunettes. Fais ce que dit Talbot. J'adore ces réunions de famille. Oh, grand schtroumpf, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas, schtroumpfette. Attendez, j'ai une idée. Il y a peut-être une partie chez le schtroumpf à lunettes qui lui permet de se souvenir de nous. Schtroumpf nature, attends! Tu te souviens de nous, n'est-ce pas que tu te souviens, schtroumpf à lunettes? Nous sommes tes amis. Ah, tu te souviens? Oui, il est gentil, le schtroumpf à lunettes. Non, d'un schtroumpf, ça marche. Schtroumpf à lunettes, tu te souviens que tu ajoutais toujours ta patte particulière à mes expériences? Et cette façon que tu avais de parler de toi sans cesse et sans cesse. Schtroumpf à lunettes, tu te souviens certainement de moi, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Je suis ton meilleur copain. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, finis ce mangeant. Oh, il ne manquait plus que ça. Un schtroumpf-garou pleurnicheur. Vous allez changer de chanson quand j'en aurai fini avec vous. En arrière! En arrière! Oh là là, nom d'un schtroumpf, c'est le papa et la maman loup. On dirait que Malakoff a repris la route pour aller jouer ailleurs. Non, d'un schtroumpf, mais où est passé le schtroumpf à lunettes, où est-il? Voilà, il est là-haut.
Mais non, là, je trouve, mais il s'enfuit. Tiens, je trouve à lunette, tu vas rester un schtroumpf garou à tout jamais. Ne t'inquiète pas, je trouve à lunette, je vais te sauver, moi. Attention. Schtroumpf à lunette. Mais qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Je trouve à lunette, tu t'es transformé en schtroumpf garou. Heureusement, tout le monde a un cœur d'enfant et a envie de jouer. Même un schtroumpf garou. Nom d'un schtroumpf, on dirait que le schtroumpf à lunettes. Schtroumpf à lunettes, nous avons cru que tu t'étais transformé en schtroumpf garou à nouveau. Non, alors n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous me faites? J'appelais seulement mes amis les loups, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'on ne pourrait jamais plus se reposer maintenant. C'est parce que nous ne chantons pas tout à fait dans le ton, n'est-ce pas? Mais avec les pensées du schtroumpf à lunettes pour hurler harmonieusement, n'est-ce pas? Je suis certain que nous allons nous bercer, nous endormir en un rien de temps, n'est-ce pas?